Odierzo est mort cette nuit, à 92 ans. C'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête, comme dans les albums d'Astérix. Uderzo, c'était avant tout un personnage timide, mais en même temps l'un des grands géants, l'un des derniers géants de la BD franco-belge qui vient de disparaître. C'est Albert Uderzo. S'apercevoir maintenant, en relisant tous les Astérix, qu'il y a une fluidité incroyable dans la façon dont il dessine. Il n'a pas le rôle facile. Parce que autant, moi j'ai eu, même René Goscinny au 10e album, se disait que, 10e album, c'était le tour de Gaulle, et il m'avait dit, tu sais, j'ai l'impression qu'on a tout dit sur les Gaulois, pour trouver une nouvelle idée, on va avoir du mal. Et il a trouvé encore 14 titres, s'il en a fait 24,